Shalom, shalom, bien-aimés. Bienvenue à cette édition de Yachab, la première de cette année où nous demeurons dans la présence du Seigneur par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Et je suis accompagné de ma chère et tendre épouse Nina. Shalom à tous. Shalom, et également avec la merveilleuse famille de notre église locale. Pendant quelques minutes, demeurons dans la présence du Seigneur, adorons-le, recevons sa paix. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il est, qu'il existe, qu'il est réel, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors qu'il nous reste encore quelques minutes avant de commencer ces moments, dispose ton cœur avec moi à rencontrer le Seigneur par des cantiques spirituels. Nous le rencontrons par la foi ce soir, la foi dans le nom de Jésus. Tu peux déjà le dire là où tu es, je crois dans le nom de Jésus-Christ. Je m'approche dans le nom de Jésus-Christ. J'approche avec une joyeuse assurance le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans mes besoins. Oh, j'approche avec la foi, sachant qu'il sait rémunérer et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Ce soir, je cherche mon Père dans la prière et je le rencontre, car il a dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Ce soir, nous frappons par la louange et par l'adoration et nous venons rencontrer notre Père. Et nous savons que la porte de destinée, la porte de l'éternité, la porte de communion s'ouvre pour nous alors que nous avançons par la foi dans ce lieu de félicité. Nous ne sommes pas les seuls. Nous sommes environnés d'une nuée de témoins qui tous courent au trône de la grâce avec nous. Ce sont les 24 vieillards, ce sont les 4 êtres vivants. Nous sommes entourés de tous les esprits de justes parvenus à la perfection. Non, Abraham n'est pas mort. Jacob n'est pas mort, Isaac ne sont pas morts, non. Ils sont tous là, dans ce lieu d'intimité. Et par la foi, nous adorons tous celui qui s'est révélé à nous comme notre Père au travers de Jésus-Christ. Oh, nous avons un avantage, nous l'approchons en qualité d'enfant, en qualité d'héritier et de co-héritier de Christ. Aussi, nous n'avons aucune crainte, nous ne nous inquiétons pas et nous avançons avec foi. Chaque chant est un pas de foi. Chaque cantique est un pas de foi. Nous avançons jusqu'à rencontrer profondément, personnellement, intimement le Père. Et nous disons, nous sommes ta maison de prière. Tu as commencé avec un bâtiment. Tu as commencé avec un temple. Tu as commencé avec un lieu de culte. Mais ton désir a toujours été d'habiter en l'homme. C'est pourquoi lorsque la Samaritaine a demandé à Jésus, est-ce sur cette montagne ou à Jérusalem que l'on doit adorer le Seigneur? Tu as répondu, ce n'est ni à Jérusalem ni sur cette montagne, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Oh, en ce moment même, je suis pleinement conscient de la présence de notre Père. Il rend sa présence manifeste par le Saint-Esprit. Aussi nous l'honorons, nous l'exaltons. Il y a une grande procession en ce moment. Les anges se déploient autour de nous. Que nos yeux spirituels soient ouverts et que nous prenions conscience du lieu d'éternité sur lequel nous sommes. Cette montagne de Sion, la Jérusalem céleste, la cité du Dieu vivant, là où nous sommes en Christ. Alléluia, alléluia. Corabahantayabadirevoshekala.
suis ta maison de prière. Père, je suis ta maison de prière, maison de prière, disons Père, oui Père, je suis ta maison. Sur cette montagne, ni à Jérusalem, c'est nous. Père, je suis ta maison de prière, maison de prière, maison de prière. Disons, Père, je suis, oui, Père, je suis ta maison de Le Saint-Esprit m'apprend à prier sans cesse. Le Saint-Esprit m'apprend à prier sans cesse. Et le Saint-Esprit m'apprend à prier sans cesse. Là dans le lieu secret. Merci Seigneur. Et le Saint-Esprit m'apprend à prier sans cesse. Le Saint-Esprit m'apprend à prier sans cesse. Et le Saint-Esprit m'apprend à prier sans cesse. Pas à pas, pas à pas, mot après mot. Et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'apprend à prier sans cesse. Au renouvellement de la pensée, de l'intelligence, pour m'apprendre à prier. Il transforme mes mots, mes paroles, par la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit m'apprend. Et le Saint-Esprit m'apprend à prier sans cesse. En tout lieu, à tout moment, en tout endroit. Cela ne dépend plus d'une circonstance donnée. J'apprends à prier sans cesse. Disons, Père, je suis Père. Je suis ta maison de prière. Nous contemplons ta face, ô Père. Je suis ta maison de prière, maison de prière. Je suis Père, ma Père, oui Père. Je suis ta maison. Ta maison de prière, maison de prière. Et le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit m'apprend à prier sans cesse. Et le Saint-Esprit m'apprend à prier sans cesse. Et le Saint-Esprit m'apprend à prier sans cesse. Là dans le lieu secret. Et le Saint-Esprit m'apprend à prier sans cesse. Et le Saint-Esprit m'apprend à prier sans cesse. Il m'enseigne l'art de prier comme Jésus l'enseignait aux disciples. Et le Saint-Esprit, il m'apprend le qui, il m'apprend le quoi, il m'apprend le comment, il m'apprend le où, il m'apprend le quand. Là dans le lieu secret. Et le Saint-Esprit m'apprend à prier sans cesse. Et le Saint-Esprit m'apprend à prier sans cesse. Et le Saint-Esprit m'apprend à prier sans cesse. Là, là, dans le lieu secret. Père, je suis ta maison. Parce que je suis transformé, ma maison l'est aussi, Père. Père, je suis ta maison. Ma maison est transformée en une maison de prière. Ma chambre est transformée en un lieu de prière. Nous contemplons ta face, ô Père. Mon milieu de travail est transformé en un endroit de prière. Ma voiture est transformée en un endroit de prière. Parce que je suis ta maison de prière. Ma cuisine est transformée en un endroit de prière. Chaque pièce dans nos maisons, contemplons ta face, ô Père. Je suis ta maison.
prière. Ton père, je suis terre. Je suis ta maison. Et kaya taya, ta maison de prière. Nous contemplons ta face, contemplons ta face, ô Père. Je suis ta maison. Tout entier à toi, ta maison de prière. Maison de prière. Et le Saint-Esprit m'apprend à prier sans cesse. Le Saint-Esprit m'apprend à prier sans cesse. Et le Saint-Esprit m'apprend à prier sans cesse. Là dans le lieu, dans l'intimité. Et le Saint-Esprit m'apprend à prier sans cesse. Le Saint-Esprit m'apprend. Je n'ai plus besoin qu'un pasteur soit là avec moi, qu'un responsable soit là. Le Saint-Esprit m'apprend dans ce lieu secret. Et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'apprend à prier sans cesse. Le Saint-Esprit m'apprend à prier sans cesse. Et le Saint-Esprit m'apprend à prier sans cesse. Là dans le lieu secret. Et le Saint-Esprit m'apprend à prier sans cesse. Le Saint-Esprit m'apprend à prier sans cesse. Et le Saint-Esprit m'apprend à prier sans cesse. Là dans le lieu secret. Une dernière fois le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'apprend à prier sans cesse. Le Saint-Esprit m'apprend à prier sans cesse. Et le Saint-Esprit m'apprend à prier sans cesse. Là dans le lieu secret. On apprend à acclamer Jésus pour qui il est. Non pas parce que un chanteur l'a demandé, mais nous acclamons selon la révélation que nous avons de Christ Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, amen, amen. Et chantez avec nous Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Alléluia. Souvenons-nous de l'amour de Dieu et bénissons ensemble le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Amen. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Amen, en toute liberté. Bénis le roi des rois, chantons, chantons, amen, et bénissez ta grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu, et bénis le roi des amen. Rois, et bénissez. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et béni le roi. Oh, Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici l'Éternel nous a secouru. L'infini de Dieu. Souviens-toi, souviens-toi de l'amour de Dieu. Et béni le roi des rois. Oh, redisons, chantons Ebenezer. Chantons. Ebenezer, La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi, souviens-toi que mon esprit l'enseigne à mon âme et à mon corps. Et béni le roi des rois. Oh, chantons Ebenezer, chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi, souviens-toi de l'amour de Dieu. Et béni le roi des rois. Oh, Ebenezer, Ebenezer, je te loue, Seigneur, pour ce que tu m'exauces toujours, la vie Jésus-Christ. Souviens-toi de l'amour de Dieu. De Dieu, souviens-toi,
simplement pour honorer Jésus. Alléluia. L'acclamation est une expression de louange. Et au tremplin de la louange, on apprend à acclamer Jésus. On y va. Alléluia. Je vois des techniciens, des instrumentistes faire une pause sur leur jeu d'instrument pour acclamer. Alléluia. Nous acclamons simplement. Jésus, tu es honoré. Amen. Et tous ensemble, les déserts. Et alléluia. Se souviennent, que mon église locale se souvienne, que ma nation se souvienne, et bénisse Ebenezer, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu. Amen. Et il est cet autre cantique qui dit ceci. Oh, quand j'ai crié, mon Dieu a entendu, et ma kataya, mon Dieu a répondu. Ah, son nom est. Nous sommes dans un mois de prière fervente et efficace. Quand j'ai crié, quand j'ai crié, et chanter devant nous. Quand j'ai crié, quand j'ai crié, l'aîné s'avance, mon Dieu a entendu, notre patriarche chante, mon Dieu a répondu, et Isaac est né, son nom est. À notre patriarche s'avance, Isaac chante. Quand j'ai crié, quand j'ai crié, ah, mon Dieu a entendu. Ce qu'il a crié concerne un professionnel. Mon Dieu a. Et son entreprise a prospéré. Son nom est Elisha. Jacob s'avance et dit, quand j'ai crié, quand j'ai crié, mon Dieu a entendu. Oh, sa vie devait être transformée. Mon Dieu a été profondément transformé en Israël. Son nom est Elisha. Oh, c'est pourquoi nous chantons avec eux, Elisha. Jésus chante, il dit ceci. Oh Yeshua, mon Père entend toujours. C'est pas merveilleux ça? Mon Père répond toujours dans le nom de Yeshua. Disant, oh Yeshua, oh Yeshua, mon Père entend, mon Père entend toujours. Mon Père répond. Mon Père répond. Dans le nom de Jésus.
patrie, ô Yeshua. Ô Yeshua, mon Père entend toujours. Toutes les prières que j'élève, mon Père répond toujours. Jésus a dit jusqu'ici, vous n'avez rien demandé. Ah, est-ce qu'il y a un frère de Jésus qui veut dire, ô Yeshua. Ô Yeshua, mon Père entend toujours. Mon Père répond, mon Père répond. Il ne répond pas dans n'importe quel nom, mais dans le nom, dans le nom, dans le nom. Seigneur, pour nos parents spirituels qui nous permettent d'avoir cette plateforme où nous pouvons louer et adorer le Seigneur. Et la déclaration prophétique de ce mois est le mois de la prière fervente et efficace. Et s'il y a un excellent moyen de prier de manière fervente et efficace, comme nous l'a dit notre Père, notre Papa, c'est bien de regarder à Jésus. Prenons quelques portions des Écritures, regardons un peu comment Jésus priait et soyons enseignés, encouragés dans notre façon de prier également. Amen, amen. Alléluia. Le premier passage, Luc chapitre 11, verset 1. Nina, tu peux le lire. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Alléluia. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Amen. Un des disciples a dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. J'aimerais que quelqu'un fasse cette prière simplement avec moi. Jésus, tout au long de ce mois, enseigne-moi à prier. Enseigne-moi à prier. Vous voyez, ce disciple, c'était l'un des disciples. Ce ne sont pas tous les disciples qui ont parlé. C'est un des disciples qui a demandé à Jésus pour tous, enseigne-nous à prier. La prière fervente et efficace d'un frère ce soir et d'un frère connecté avec nous. Alors qu'il dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Voilà, je vois le Saint-Esprit venir enseigner à prier à sa famille, à son époux, à son épouse, à ses enfants, à son église locale, à cause de la prière d'un seul. Cette prière est fervente et efficace. Et le Saint-Esprit vient maintenant enseigner à prier. Oh, nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu réponds à cette prière. Tu as répondu à l'exaucement de la prière de Jésus. Et nous croyons aussi que tu réponds à notre prière. Merci, Seigneur. Nous prenons encore une autre portion des Écritures. Luc chapitre 22, verset 32. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Toujours dans le même élan, on peut prier. Jésus nous montre qu'on peut prier pour que notre foi ne défaille point. Jésus a prié pour Pierre, afin que sa foi ne défaille point. Quand les épreuves viennent, quand les tentations, le péché vient, la foi peut défaillir. Alors Jésus a prié pour Pierre et il lui a dit, quand tu seras converti, quand tu seras transformé, la prière transforme, elle change, elle convertit. Alors affermis à ton tour tes frères. J'aimerais qu'un bien-aimé avec moi fasse cette prière aussi. Seigneur, que ma prière aide à transformer, à affermir un bien-aimé à ma gauche, à ma droite, dans ma maison, dans ma famille, dans mon église. Que par ma prière, Seigneur, des frères soient affermis là où ils sont, là où ils sont. Je n'ai pas forcément besoin d'être à côté d'eux. Seigneur, je veux être un intercesseur. Je ne veux pas laisser cela seulement aux portiers, aux intercesseurs. Que ma prière fervente et efficace permette à un frère d'être affermi, à une sœur,
de revenir à toi si sa foi commençait à défaillir, Seigneur. Oh, merci parce que tu entends nos prières en ce moment. Merci, Seigneur, parce que tu nous apprends à prier. Tu nous apprends à prier. Merci, Jésus. Alléluia. Oh, nous prenons encore une autre portion des Écritures. Jésus dit, qui les condamnera ? Christ est mort. Cela vient de Romains chapitre 8, verset 34. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Rendons ensemble grâce à Dieu parce que Jésus est le premier à continuer à intercéder pour nous. Il est à la droite du Père. Nous n'avons même pas besoin d'élever des prières. La parole n'est même pas encore sur nos bouches que déjà Jésus la connaît et a déjà commencé à intercéder pour nous. Quelle merveilleuse grâce nous avons. Prions ensemble et rendons grâce. Disons merci Jésus. Merci de ce que tu es le premier intercesseur de l'Église. Le premier intercesseur. Tu pries déjà pour moi, tu pries pour mon épouse, tu pries pour mes frères, tu pries pour mes enfants, tu pries pour mes sœurs, tu prie pour nos églises locales, tu pries pour chacun de nous, tu pries pour nos nations. Oh, fidèle intercesseur, nous te rendons grâce. Nous ne sommes pas indifférents à tes prières, nous ne sommes pas indifférents à ton intercession. Nous te disons merci, Seigneur. Merci du fond du cœur. Alléluia. Et nous poursuivons dans Luc chapitre 6, verset 12. Je vais demander à Nina également de lire cette parole. Alors, on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Alléluia. On amena des enfants à Jésus pour qu'il prie pour eux. Nous voyons que prier comme Jésus, ça veut dire prier aussi pour les enfants. Cela ne concerne pas seulement les parents. Cela ne concerne pas seulement les pères et les mères. On peut être encore célibataire et commencer déjà à prier pour ses enfants. Prier pour des petits-enfants autour de nous. Alors élevons ensemble nos voix. Si le Saint-Esprit te met en image maintenant quelques petits-enfants, prie, élève ta voix. Tu peux même citer leur nom. Jésus a pris le temps de leur imposer les mains. Ça veut dire qu'il a pris le temps de prier pour chacun d'eux et a prié pour chacun de ses enfants. Prions ensemble. Les bras d'Alo Santalaba. Prions comme Jésus. Prions pour des petits-enfants. Oh, je prie pour mes enfants maintenant. Je prie pour Shemaya. Je prie. Joshua, je prie pour Caleb, je prie pour tous les petits enfants, Seigneur. Je prie pour tous les petits enfants. Qu'ils te connaissent bien assez tôt, Seigneur. Qu'ils te reçoivent dans leur cœur comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et qu'ils marchent tous les jours de leur vie en conformité avec ta parole. Nous prions pour tous les enfants. Alléluia. Et nous allons prendre une dernière portion des Écritures. On va aller un peu plus loin dans le livre d'Hébreux, lorsqu'il est dit que c'est dans les jours de sa chair que Jésus éleva à grands cris des prières. Alors Nina, si tu trouves ce passage, tu peux également le lire aussi. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Alléluia. Jésus, dans les jours de sa chair, ça veut dire pendant qu'il était un homme, nous avons été enseignés sur le fait que la prière concerne vraiment les hommes. C'est dans la reconnaissance de notre faiblesse, de notre humanité que nous prions. Et Jésus nous a montré l'exemple. Dans les jours de son humanité, il a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications. Oh, il y a parfois ces situations-là qui ne demandent pas des prières calmes, des prières silencieuses, non. Il y a des moments où on a des grands cris, où on a des larmes et des supplications. Et quand ces moments-là arrivent, Jésus nous dit encore, là aussi je vous ai devancé dans cette façon de prier. Je suis avec vous, je vous montre comment faire, je vous apprends la piété, comment vous attacher à Dieu afin de recevoir le plein exaucement en mon nom. Alors prions ensemble afin que quand les moments difficiles viennent, que nous soyons persévérants dans la prière, que nous ne retournions point dans les œuvres de ce monde, dans les solutions de ce monde, mais avec grand cri, avec des larmes, des prières et des supplications, nous fassions connaître à notre Père nos besoins. Je vois une mère avec des grands cris, des larmes, priant, suppliant, intercédant pour ses enfants. Je m'associe à un père de famille qui pleure en ce moment et qui, avec des grands cris et des larmes, prie, intercède pour sa famille, pour son entreprise, pour ses affaires. Je m'associe à un missionnaire, à un pasteur, oh, qui prie avec grands cris et des larmes pour son église locale, pour la
la croissance des membres de son église. Et nous recevons notre plein exaucement en Christ à cause de sa piété qui est nôtre. Alléluia. Alléluia. Et nous terminons avec ce dernier passage qui va introduire ce cantique méditatif que nous allons écouter avant de poursuivre dans ce temps d'adoration. Matthieu chapitre 26, verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un certain lieu appelé Gethsémané et dit aux disciples. Alléluia. Juste cette portion, après avoir chanté les cantiques, Jésus s'en alla à Gethsémané. Nous approchons aussi la période de Pâques et cette période nous rappelle comment Jésus a eu à affronter dans sa chair une volonté contraire à la volonté de Dieu. Prier comme Jésus, c'est apprendre à veiller et à demander au Seigneur la force de faire toujours sa volonté. Alors que nous écoutons ce cantique méditatif, ma prière est que le Saint-Esprit nous enseigne à demeurer toujours dans sa présence, même quand les moments difficiles viennent, et à dire non pas comme je veux, mais comme tu veux, Seigneur. Après avoir chanté des cantiques, se rendre à Gethsémané, être conscient de cette heure tragique et décider de prier, veiller. Jusqu'à la mort, quand ses ennemis s'attroupent, voir tous ses disciples qui s'endorment, choisir de boire à la coupe, veiller. Ceux qui le connaissent peuvent dire ton plus grand combat. Ton plus grand combat. Ma plus grande victoire. Ma plus grande victoire. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci pour la croix. Ta plus grande souffrance. Ta plus grande souffrance. Ma plus grande délivrance, ô Jésus, merci pour la croix. Avoir son esprit bien disposé, désir de être soumis à l'Esprit du Père et résister à la chair. Veillez et priez. Oui, renoncer à tout ce que je veux et faire tout ce que tu Abba Père, qu'il en soit fait de moi selon ta parole, ô roi. Veillez et priez. Veillez. Amen.
forcément qu'on programme quelque chose, mais veillez. Veillez dans le lieu de ta présence, dans l'intimité de ta présence. Et priez. La Bible dit que Jésus passa toute la nuit à prier. Veillez. Veillez. Et priez, Seigneur. Et priez. Non pas forcément parce qu'un sacerdoce le demande, mais veillez. Et prier pour recevoir ta force, pour marcher dans ta volonté. Veillez, et prier. Amen. Et nous disons ton plus grand combat. Ton plus grand combat. Ma plus grande victoire. Jésus, merci pour la croix. Ta plus grande souffrance, ta plus grande souffrance, ma plus grande délivrance. Oh Jésus, merci pour la croix. Ton plus grand combat, ton plus grand combat, ma plus grande victoire. Oh Jésus, merci pour la croix. Ta plus grande souffrance, ta plus grande souffrance, ma plus grande délivrance. Oh Jésus, merci pour la croix. Seigneur, nous prenons le temps dans ce tremplin de louange de considérer l'œuvre achevée que tu as accomplie à la croix par ta mort, ton ensevelissement, ta résurrection, ton élévation et ta glorification. Nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Waouh, quelle grâce, quel privilège. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés du péché par son sacrifice à la croix, qui nous a rachetés par son sang précieux et qui a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Pour Dieu, son Père et notre Père, à lui soit la gloire dans tous les siècles et particulièrement durant ces temps. C'est pourquoi nous avançons encore et les yeux fixés sur Christ, l'agneau immolé, nous déclarons ceci. Tu es assis sur ton trône élevé et tout dans les cieux te rend hommage. Tu es saint, 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 éternel des armées. Nous t'adorons avec des cœurs reconnaissants. Nous considérons le privilège que nous avons de le faire. C'était une seule personne, dans une seule tribu, une fois par année qui avait droit de faire cela. Si nous venons avec révérence et nous disons, tu es assis. Tu es assis sur ton trône élevé. Amen. Et tout dans les cieux te rend hommage. Alléluia. Tu es saint, 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 éternel des armées. Saint, Saint, Saint est ton puissant nom. Tu es assis, tu es assis sur ton trône élevé. Et tout dans les cieux te rend hommage. Tu es saint, tu es saint.
dis Saint, 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 nous t'adorons, nous t'adorons. Racheter la famille de Dieu, dit Saint, 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 Saint. Le peuple à qui la nation sainte dit Saint, 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 Saint. Le sacerdoce royal s'écrit, nous t'adorons. Monter d'un ton, on va dire sur ton trône de grâce. Tu es assis sur ton trône de grâce. Amen. Approchons-nous avec joyeuse assurance. Et tout dans les cieux te rend. Tu es plein de grâce. Tu es plein de grâce éternelle. Désormais, ils ont plein de grâce. Plein de grâce est ton puissant nom. Amen. Tu es assis sur ton trône de grâce. Tu es assis sur ton trône de grâce. Et tout dans les cieux te rendra. Tu es plein de grâce. Yeah.
comme toi, mon éternel, parmi les hommes, parmi les dieux, nous t'adorons, nous. Nous te bénissons et nous t'honorons ce soir. Grand roi sur toute la terre, prince des rois de la terre, tu es Jésus. Nous t'honorons, nous venons avec révérence, nous venons avec respect, nous venons répandre les parfums de louange et d'adoration devant toi. Oh, mon adoration te revient, Seigneur, toi seul es digne. Tu es digne de louange, tu es digne d'honneur, tu es digne d'adoration, tu es digne de la sagesse, de la richesse, de la force, tu es digne de la domination, Seigneur, tu es digne des actions de grâce. Qu'on la maillotte des paroles, qu'on la maillotte des mots, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons en esprit et en vérité. Regarde à son père et qu'il imite dans la parole, nous te contemplons, nous te contemplons, Jésus, éternel des armées, tu es seul. Cette image est très forte, je vois un enfant qui contemple son Père et qui l'imite dans chacun des gestes. Ainsi nous sommes au trône de la grâce. Nous te contemplons. Nous te contemplons. Éternel des armées, tu es seul. Quelqu'un contemple la force de Jésus et est rempli de sa force. Nous te contemplons, nous te contemplons, éternel des armées, tu es seul. Force à toute épreuve. Quelqu'un contemple l'espérance qu'il produit. Nous te contemplons, il est rempli d'espérance. Nous te contemplons, espérant contre toute espérance. Éternel, le patriarche Abraham est là pour confirmer. Tu es seul. Remplis de cet amour, nous te contemplons. Nous te contemplons.
tu avais des difficultés à lâcher certaines mauvaises habitudes, contemple Jésus dans sa sainteté. Et voici ces choses, le lâche, nous te contemplons. Comprenons pourquoi Jean a dit cela devient impossible à la nouvelle création de péché, parce qu'il faut garder les yeux fixés sur Jésus, garder les yeux fixés sur lui. Contemplons Jésus, nous te contemplons, nous te de nos vies, de notre être qui n'était pas encore rempli par le Saint-Esprit. Alors que dans l'adoration, nous disons « Tu es saint », je le vois remplir tous les compartiments. « Tu es saint, oh saint, saint. » Te chante Jésus, tu es beau, tu es beau. Amen. Parmi dix mille, nous apprenons des épouses en chantant. Revêtu d'éclat et de gloire, élevé, élevé, exalté, exalté, tu es. Nature. Élevé tu es, élevé, exalté, exalté, tu es roi.
dernière fois, car tu es beau, car tu es beau, parmi dix revêtu d'éclat et de gloire. Ta grandeur.